Et salut tout le monde, c'est Sky et on se retrouve dans ce nouvel épisode de New Sword. Je sais pas le combien de tiens, mais une chose est sûre, c'est... Alors pour la quête des Agalas, j'ai compté, vous voyez, la quête des monstres des champs avec XP. J'en ai abattu 107 pour que la quête se valide. Il fallait juste 10 Agalas. J'ai abattu 107 mobs. 107! Ça fait que Agalas te drop une fois sur 10. Voire même sur 11. Une fois sur 11, les Agalas, elles te drop. C'est... Insane! C'est presque une fois sur 12 qu'elle te drop, les Agalas. C'est juste n'importe quoi ce taux de drop de. Ce taux de drop de chiasse. Yo, groupe, please, yo. Non, bah non. Je lui ai demandé si elle était prête pour. Dix reliquaires. Parce que ça y est! On a fini le temple de l'eau. Il est temps d'attaquer les reliquaires. Alors d'ailleurs, j'ai pas le DS, c'est normal, hein. Il faut finir ça d'abord. 10 reliquaires, c'est parti. Première partie des 10 reliquaires. Donc toutes les demi-heures je coupe, tant pis, parce que Temple de l'eau, Magmanta et Dolos, j'ai vraiment poussé à bout. Alors, bah justement, Dolos, j'ai vraiment ripé un peu sur Magmanta, donc justement, c'est pour ça que j'ai poussé à bout. Là, je vais vraiment pousser encore plus loin. Là, Belmez, je vais pas pousser par contre, parce que ça va être vachement dur. Vachement long surtout, avec toutes les animations qu'il y a. Évidemment, je vous les laisserai pour la première fois, et après je les skip. Il y en a deux des animations. Bah, il y a celle de Ran qui invoque Bobos pour essayer de le tuer. Celle, là où il a la prêtresse, on la voit. Et la deuxième fois, quand on le combat, c'est l'animation qu'on a toujours eue. C'est quand il se lève et qu'il nous montre son magnifique bras des ténèbres qu'il a invoqué et qu'après il se téléporte chez nous. Eh ouais. Et avec un bon rire comparé au rire américain. Je vous l'ai déjà montré, le rire américain de Ran, c'était juste dégueulasse. Celui-là, il est bien. Alors ne dites pas le contraire. Vas-y, Spring Step, j'essaye. On oublie de tirer sur... S'il te plaît, ne tire pas, n'utilise jamais le gun de ciel sur les fentes, sur les serpents. Jamais. Au grand jamais. Ne tire pas dessus. Ne tire pas sur les serpents. Ils absorbent les attaques magiques et ciel n'a que ça. Ne jamais tirer sur les serpents. Jamais. Les attaques magiques, ils les absorbent. Prends ça. Oui. Ce saloperie de serpent absorbe les attaques magiques. Tu sais que tu peux sauter pour aller plus vite, hein. Tu sautes comme ça. Après, y en a qui font du spring step en donjon. Écoute, je saute haut comme ça et ça va aussi vite, hein. Faut le frapper en physique, le serpent. Jamais en magique. C'est pour ça que d'ailleurs il est chiant et qu'il n'apparaît qu'ici. Et dans le DS. Heureusement qu'il apparaît qu'une seule fois dans le DS. Deux ou trois fois. Mais c'est au même endroit. Donc là, voilà, on infiltre le quartier général de Belmez. Tiens, pour la peine, je vais un peu vous monter la musique. Parce que là, je monte la musique, je m'entends encore, ça passe. Attendez. Je vais encore à la monter un peu. Merde, je la mets sur off. Attends, c'est chiant. Genre, voilà, t'as vu ça? Je suis encore sur la barre du dessous. Et pourtant, je peux cliquer sur off. Ça, c'est un peu n'importe quoi. Attends, j'essaye un peu de monter. Voilà, ça passe. Là, je pense que ça passe. Bah, au pire, sinon, dites-moi dans les commentaires si la musique vous paraît trop forte. Que je puisse la régler, parce que moi au rendu, ben forcément au rendu, j'aurais peut-être pas la même oreille que maintenant. Parce que j'entends ça différemment. Oui, sur YouTube, il me semble que les sons sont moins forts ou des trucs comme ça. Des fois, ça change. Et forcément, ben, je suis pas au courant. Yes!
Oh, cette animation de ralenti là. Oh! Non, j'ai pas eu. J'aurais pu récupérer ma vie. Ah non, c'était pas de la vie, c'était Ethan. Ethan qui brillait de mille feux. En rouge. Qu'est-ce que c'est? Notification Facebook? Je m'en fous. Ah oui, c'est vrai, pendant la cinématique, ils peuvent nous tirer dessus, ceux-là. Saloperie! Ils préparent leur tir et à la fin de la cinématique, ils te tirent dessus. Ça, c'est mal programmé. Ils sont pas censés faire ça, les ennemis. Tire pas dessus! Tire pas dessus! Oh oui, j'avais oublié les PNJ! Oh, les PNJ, si jamais on tombe sur Boudic, pas sur Amelia et Ekat, elles vont tirer que en projectile magique sur le serpent. Donc ça va être gravement. Ça va être vraiment chiant! Ah oui, les PNJ ici, c'est l'enfer. C'est d'ailleurs pour ça que je voudrais qu'ils les enlèvent, mais ils veulent pas les enlever. À la base, les PNJ, c'était un event. Et depuis, ils ne les ont jamais enlevés. Ils auraient dû parce que les PNJ, ça pose trop de problèmes. Je sais que pour vous qui êtes bas level et qui savent pas jouer, les PNJ ça vous aide. Mais quand vous passez reliquaire et au-dessus, voire sender, ben les PNJ vous paraîtront inutiles hein, parce qu'ils font plus aucun dégât. Ah oui, les dégâts ça réduit au fil du temps. Parce que les PNJ sont utiles jusqu'à là. Après, ça devient inutile. À partir de Valdo, le prochain, ça va être inutile de chez inutile. Ah oui. Je fais déjà bien plus de dégâts qu'eux. Regarde-moi les dégâts qu'ils font, quoi. Leurs dégâts sont déjà inexistants. On fait beaucoup plus de dégâts qu'eux. Les PNJ ne nous aident pas. Oula, j'ai cru que je n'arrivais plus à bouger. D'ailleurs, tiens, j'ai oublié de lui demander. Les esprits de l'eau. Oh, au pire, c'est pas grave, j'irai en drop. Parce que bon, j'en ai combien? Je crois que j'en ai 7. Oh bah j'en ai 10. Oh bah c'est nickel. J'ai rien dit. J'en ai eu 10. Bon bah je peux faire la quête. La quête par contre il faut attendre. Bah faut finir. Faut faire les 12 reliquaires en fait. Les 12. Les 10. Ah alors voilà notre petit boloss. Allez. Ramène-toi, je te fais la peau. J'y vais en personne. Ah je le recule. Ah, viens ici, mon petit dolos. Wow, je l'ai tué tout seul. Et avec un bonus de en moins. Ah, tu sais quoi ça? Ah, c'est bah c'est l'âme d'Arma. Prépare-toi au pire. C'est parti. L'infâme comte Belmez avec son rire. D'ailleurs, je crois que le rire, vous l'avez pas trop entendu. Parce que si je mets les bruitages trop forts, ben on entend trop fort nos coups. C'est ça en fait. Ils auraient pu séparer les voix et les sons ambiants. Les sons ambiants et les sons des attaques. Ça serait bien qu'ils fassent un truc pour pouvoir augmenter les voix sans augmenter les autres sons. Non, j'ai fait n'importe quoi! 25e barre et 18e barre, il le fait. Vire! Vire! Non, non, non! Première étape, il ne nous donne aucun malus. Deuxième étape, il nous donne la malédiction qui enlève des PP, des PV, je veux dire, non, des PM. Et après, il nous donne la, le, après, il nous brûle. Il nous brûle, ça enlève des PV. Et pas qu'un peu. Hein. Parce que chez lui, c'est la grosse brûlure. Oh, non! J'ai break. Là, je crois que la carte que j'ai reçue, c'était laquelle? Merde! Je brûle, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle. C'est bon. Parce que ça descend très vite avec Belmez. Ah, je peux plus cliquer. Oh là là, 10 minutes pour un reliquaire. Oh, du moins sur mon téléphone. Là, je crois que ça on en a mis 8. 6 minutes 56, eh ben écoute, c'est bien ça. Nice. Joli. Ah.
Voilà, la petite animation qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire. J'espère que c'est pas le studio de... J'espère que c'est pas ceux qui font l'animation en 3D qui font l'animé, hein, parce que sinon ça va faire un flop direct, hein, moi je vous le dis. Parce que voilà. Ah. Le combat, c'est deux filles et deux filles et Belmez. Oui, j'ai pas peur de le dire. Le IP est un travesti, oui. Hop. Cuisine, quoi? Expérimentale. Me préparer un plat si épicé qu'il réveillerait les morts. Ah purée, tu réveilles déjà les morts en parlant, s'il te plaît. Va au reliquaire du temple de l'eau et procure-lui des queues d'aspirateurs ténébreux, mais... Tu veux quoi encore? Oui, nous sommes exploités. Pourquoi Tenka il y va pas lui-même? C'est que des aspirateurs, hein, c'est des grosses merdes. Hein. Mais oui, ils ne savent que tirer des petites bouboules. C'est tout. Et puis elles sont très lentes les bouboules, donc voilà quoi, c'est facile à éviter. Et puis ils en tirent qu'une seule à la fois, donc voilà. Puis les aspirateurs ténébreux, je crois qu'ils ont pas de yeux. J'ai pas vu leurs yeux. Je crois qu'ils sont bigleux. Bon bah c'est parti pour le deuxième reliquaire. Il y en a 10, hein. Je sais, j'ai compté. Il y en a déjà 4, rien que dans une quête alors, hein. Oh mon Dieu, on a un autre LK. Ce serait bien qu'il sépare le son des voix et des compétences. Parce que j'aimerais monter le son des voix sans monter celui des compétences. Et celui-là, ça, je ne peux pas. Le son des compétences et les sons ambiants, ça va avec, hein. Ça veut dire les sons des mobs qui font des bruits, tout ça. Moi, je veux juste les voix. Allez, disparaît! Un bas de tueur de démons de haute qualité. Ouais, c'est nul. Je l'ai ouvert d'un seul coup, la porte. C'est pas le critique, hein, c'est le dégât sup pour Elsword. C'est Aziz qui a le critique. Oui, il faut mélanger les deux. Heureusement qu'on est à 3, il n'y a pas de PNJ du coup. Personne pour tirer sur les serpents. Il y en a un autre de serpent, attention. À l'autre bout. Juste là. D'ailleurs, j'ai réussi à... Avec une monture, j'ai réussi à faire bugger l'ascenseur. J'avais réussi à passer ici. Et en fait... L'ascenseur qui descend est à la même hauteur que ça. En fait, c'est l'ascenseur qui bouge. Cette plateforme-là, elle a toujours été au même endroit. Ça veut dire qu'en fait, derrière cette barrière, on a la salle qu'on avait juste avant. Mais oui. L'ascenseur ne bouge pas. C'est la salle d'à côté qui bouge. Ouais, avec le mécanazote, j'avais réussi à bugger. Je vous montrerai ça un jour. Si j'oublie pas. Je crois que j'avais fait ça sur Void, mais ça existe aussi sur la FR. Il faut le mécanazote, parce que c'est une monture rapide. Bah, maintenant que les véhicules ont tous un boost, peut-être qu'on peut y arriver. Bon, ça en passe maintenant. Merde, j'ai activé le guide. Non, j'enlève. Pas fait exprès. Disparaît. Non, de l'autre sens. Là, il y a un maître des ombres junior. Oh, lui, il se TP toujours en arrière, lui. J'ai pas compris pourquoi. Tire pas dessus! Tire pas dessus! Mais non, tire pas dessus! Pas de X! Ne tire jamais sur les serpents. Tu les heal au lieu de les tuer.
Ça avance plutôt vite, ça va. C'est bon, arrête d'avancer, toi. L'autre, il veut carrément sortir de la map, lui. Oh, purée, il y a du RAM ici. Oh, et le cristal, on a tout gagné. Là, je crois que j'ai gagné au loto, là. J'ai tous les numéros complémentaires, là. Et tu te TP, bah, nice. Oh, oh. Oui, il y a des moments où tu lags. Boulin à vent. Ah, c'était ça, boulin à vent. J'ai toujours pensé que ça, c'était ouragan de sable. Jusqu'à ce que je découvre qu'ouragan de sable, c'était justement autre chose. Mais vu que je peux l'utiliser en critique, je vais pas me priver. Ouais, le son du machin qui se cogne contre ça, là, ben, on l'a un peu tôt. Non, toi, je te tue en premier. Même si bon, les autres étaient morts avant lui, donc au final, je l'ai pas tué en premier, mais bon, tant pis. T'es ma cible prioritaire, on va dire. Oh, toi, je vais tout de suite te rouer le cou, là. Occupe-toi des autres! Prends ça! Et voilà! Pouf! Combien de fois je vais te rouer le cou, toi? Je vais te rompre les tendons. Je vais te découper, te démembrer, écarteler et te faire cuire au barbecue. Même pas, même pas, même pas. Je vais te jeter dans la lave en fusion de Ranox. Parce qu'en plus, faut savoir que la corne qu'il a sur le front, c'est pas une licorne, hein? C'est un masque. Je savais pas que c'était un masque, moi non plus. Je suis con, je suis passé du mauvais côté. Donc là, je regarde bien les barres. Je ferai pas le con comme tout à l'heure. Ok, donc là, il est à. Non, pas l'orbe de vent maintenant! Mais là, tu perds du temps, tu gaspilles une orbe de vent pour rien! Parce que là, du coup, voilà, on n'a pas le maximum de temps sur l'orbe de vent. Il faut optimiser. Voilà. Là, il aurait pu rester plus longtemps. Ok, c'est parti pour le deuxième. Éloigne-toi! Reste jamais près de lui. Oh merde, je suis trop près! Je suis trop près! Pourquoi j'ai appuyé sur le mauvais bouton? En fait, j'avais pas la main sur le clavier. Du coup, je me suis précipité sur le clavier et j'ai appuyé sur les mauvais boutons. Ok. Oh, j'ai réussi à l'envoyer loin. Du moins, je l'ai empêché de se déplacer. Aïe! Allez, 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 allez. Ouh, je peux l'attaquer pendant qu'il fait ça, c'est cool. Yes! Oh là là. Oh, le comte Belmez. S'il y a un seuil, on le fait. Ah bah, il n'y aura pas de seuil. Démon, que voulez-vous faire à la grande prêtresse? J'en sais rien, on sait toujours pas d'ailleurs ce qu'il veut faire avec. Parce que du coup, il a raté. Il est parti, mais il va finir par revenir. Bah, toutes les prêtresses se sont rassemblées à Ranox, donc voilà. Prétexte de plus pour y aller, quoi. Genre, tu vois, on revient d'Elysion, puis il s'attaque à Ranox, je sais pas, il enlève les prêtresses et il les dissémine dans le mont Parman. Pour ceux qui savent pas, le mont Parman, hein, si vous lisez l'histoire de Arras, c'est de là-bas qu'elle vient. Dans son village de Ishu, si je me souviens bien. Je crois que ça s'appelle Ishu, je sais plus exactement. De nouveau Belmez, c'est parti. Ah, j'enchaîne, hein. J'enchaîne. J'espère qu'on peut encore en faire deux. Deux ou trois. J'espère qu'on peut en faire au moins 5 dans cet épisode-là. Je vais pas pousser loin par contre. Non mais je pense qu'on va pouvoir en faire 4, au moins 4. Tout dépend. S'il y a la quête de champ, au pire on la fera entre-temps. Et je passerai au prochain épisode pour le truc. Parce que là du coup, le premier reliquaire, j'ai laissé tous les crédits, etc. Enfin les cinématiques. Donc voilà. Oh là là. Et dire qu'après on aura ouais, si, Élysion, ouais. Semaine prochaine, logiquement. J'espère, hein, parce que sinon je quitte le jeu. Parce que ça me casse les couilles qu'on soit toujours un mois en retard par rapport à la ENA. Il devrait y avoir une distribution mondiale plutôt que de favoriser le serveur ENA.
Je sais que Cog a racheté Killer Combo pour en faire Cog Game. D'ailleurs, ça serait bien que Cog rachète Gameforge parce qu'au moins il y aurait des incompétents en moins. Parce que là, honnêtement, je vous ai montré dans les épisodes précédents tout ce qu'ils ont laissé en coréen, quoi. Je suis désolé, mais pour moi, c'est pas professionnel du tout. Gameforge, c'est du caca, je suis désolé, je dois le dire. Mais c'est la vérité. C'est pas la peine qu'il y ait un GM qui passe par ici pour dire eh, ferme ta gueule avec Gameforge, c'est les meilleurs et tout. Non, je dis la vérité. Gameforge, pour moi, c'est de la grosse crotte. Gameforge, pour moi, c'est le nom du PQ que j'utilise pour me torcher le cul avec. Ah, c'est clair. Hein. Oh mon Dieu. J'étais tellement raciste envers eux, quoi. Ah, mais non. En même temps, c'est tellement vrai. On pourrait les comparer à ça tellement ils font du mauvais boulot. J'ai rien contre Cog, même si j'avoue qu'il y a certains de leurs systèmes qui sont un peu pourris. C'est les créateurs du jeu. Donc on va pas aller trop. Je leur ai quand même craché dessus, mais. Mais j'ai craché. Mais tout ce que j'ai craché était juste. Là sur Gameforge, c'est vrai que ça pourrait paraître injuste, mais c'est vrai. C'est vrai. Tout ce que je dis, il n'y a rien de faux. Puisque moi, j'ai vécu tout ça. Et en plus, je peux même comparer avec l'ANA et je peux vous dire que l'ANA est beaucoup moins buggée que ça. Ah ouais. Parmi tous les bugs qu'il y a sur la FR, sur l'ANA, j'avais vu à peu près la même chose. Il y a certains bugs de l'ANA qui étaient récurrents, comme sur la FR, et il y en a certains qui ne l'étaient pas. En gros, la FR avait des bugs que l'ANA n'avait pas. Comme tout simplement les bugs de la phase 2 de Perquisas. Et bah l'ANA ne les avait pas. C'est pour ça que le serveur ENA est toujours mieux. Oui! Non! Hop. Ah, c'est bon. Donc, la caisse, on s'en fiche. Là, c'est peut-être vert, mais je le fais en entier le donjon. C'est pour la marque. Parce qu'on là, on va quand même relativement vite et j'ai pas envie qu'il y ait la marque. Je veux continuer à utiliser l'hyper mode, moi. Voilà, animation super longue. Donc si j'en tue lui, normalement, on aura l'animation de l'autre. Non, même pas. Ça va. On était plutôt long. Donc ça passe. Là, ça fait 3 minutes qu'on est là. Quasiment 4. Oh, pas ça. Oh, pitié, pas le cristal. Je suis fait avoir par le stagiaire. Bon, t'as le glouton, tu dégages. Maître des ombres junior, pareil. Le coffre, c'est à moi. Oh, qu'est-ce que j'ai gagné? Non, l'œuf, ça redonne de la vie. Dédé, à moi celui-là. Non, tire pas dessus. Arrête, s'il te plaît. Et évite juste de tirer dessus. Peut-être que je suis désolé de te le rabâcher, mais tu ne m'entends pas. Oui, il restait une vie. Pourquoi je lui laissais une vie? Mais je me pose toujours la question à chaque fois que je laisse un mob comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'il lui reste une vie, quoi? C'est la vie, c'est la vie. Oula, qu'est-ce qui se passe? Là, d'accord, c'est la télécommande du casque qui a dit ouais, je tombe comme une pierre. Du coup, ça a tiré sur le casque. Pas une pierre, pardon, une brique. Excuse-moi. Oui, parce que Pierre est déjà copyrighté de Pokémon. Désolé. Excusez-moi. Brick n'est pas copyrighté. Ah merde, si, c'est copyrighté de Minecraft. Osef! Voilà. On arrive bientôt à Cinder, les gens. Allez, avance! Je commence par toi. Descends. Merci.
Oula, oula, oula! Ne fais pas trou noir comme ça, Eve. Enfin, Eve, Victoria. Ça serait tellement bien s'il pouvait y avoir un maître légendaire pour chaque classe. Chaque spé de chaque perso. Parce que là, on en a trop peu. Heinrich, c'est un père, c'est un protecteur, c'est pas vraiment un maître légendaire. Ça n'a rien à voir. Des maîtres légendaires style Pelennisur et compagnie. Heinrich, il a rien à voir. Même s'il est considéré comme un maître légendaire, il fait les 3 chunks, ça passe pas. Normalement, il y en a un pour chaque spé. Au pire, je sais pas, les cousins de Chung. Les vieux cousins. Il en a sûrement. Ça passe. Parce que là, Papa Chung, il fait les 3 et bah, en tant que maître légendaire, c'est un par classe. On a toujours eu un par classe, alors pourquoi est-ce qu'on devrait s'arrêter maintenant? Yeah! Oh, oh, oh! Non, mais pourquoi j'avance sur lui? Déjà? Attends. Je l'avais oublié, celle-là. On va le garder. Pour notre reliquaire expert. Deux. Quoi? J'ai été TP dedans? Mais qu'est-ce que ça se fait? Mais what the fuck? J'étais à droite, il m'a TP à gauche. Oh, attends, je vais essayer ça. Yeah, 2 barres. Oula, 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 je l'ai vu de... Oh, je suis sur le coin. Ah non, c'est bon. Ah bah, c'est bon. Ok, c'était le 3e reliquaire. On peut en faire un dernier ou pas? Oh, il reste 2 minutes, je sais pas. Au pire, sinon, je vais couper maintenant et je reprends dans le prochain épisode. Donc ça en fait 3. Je pense qu'on va se faire 4 épisodes. On va faire ça. Les 4 derniers reliquaires, je les ferai dans le dernier épisode. Sur Amel. Je pousserai un peu plus loin pour le dernier reliquaire. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, du coup, c'est que je vais rendre l'antenne. Je vais couper. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur Twitter. Et on se retrouve pour le prochain épisode, pour les 3 prochains reliquaires, logiquement. Si on arrive à aller un peu plus vite, vu que j'enlève les cinématiques et compagnie, eh ben je pourrais en mettre un de plus. Et donc du coup, on se retrouve pour le prochain épisode. Bye tout le monde !